And all the people say, السلام عليكم. دونك نبقاو في لي مرسيدس اليوم. واحد لا مرسيدس اكسيبسيونيل, لا او كوبي, دونك لا روستيلي اللي خرجت في 2014. دونك بون بلاسي لا او كوبي الموديل الاول, حيت ما عمرو خرج شي موديل كوبي بحال هذا. سي لا بروميير او كوبي, وهذه لا روستيلي ديالها. دونك كانوا بدلو فيها بزاف ديال الحوايج, لا فاس افون, دونك لي زوبتيك. Donc ça n'a rien à voir avec l'ancien modèle, les canaux double optique collégia. Donc là c'est un mono optique. Tu l'as remarqué avec les LED, avec les deux traits LED, les FIA, ou les deux loupes. Par contre le pare-choc a bien changé, le look agressif par rapport à la classe coupé. Donc l'autre génération, pare-choc agressif, donc les entrées d'air d'hier, ou avec front spoiler là en dessous, le tête en chrome. Au bout d'un endroit à l'intérieur d'elle là, donc les sièges sport, qu'est-ce qui se passe que jamais les full électriques, les feux arrière d'elle là, ils ont été redessinés en full LED. La ligne qu'est-ce qu'on appelle la classe E, les problèmes maintenant. Nous sommes dans les côtés qui vont kiff kiff. Donc déjà la classe E c'est une réussite Mercedes. Donc, c'est l'une des plus belles coupes de Kenif le marché. Personnellement on a été jubilé. Donc c'est la Mercedes qui m'attire. Je vais dire qu'elle a de la E coupée. Et précisément à de la phase 2. Telle la 4 portes là. Déjà la 4 portes arrive à la nouvelle aide. Par contre, le modèle de 200 cette phase 2, différents chouillables les feux. Les nouvelles, ils ont des feux plus fins. La E, le modèle de la DC, la E350, fait à 252 chouillables, 620 newton de mètre. Déjà même que le couple est phénoménal. Donc les accélérations, la voiture, qu'est-ce que. Donc les modifications de Kenif l'extérieur, le rabaissement de 15 mm plus les jantes 19 pouces, les formes de look zwin, plus le diffuseur arrière, il fait 4 sorties d'échappement, même s'il y a de le modèle à Dara, je fais AMG 63, donc le maximum il fait le E500. Je ne sais pas si je fais 63, qui goût l'eau. Mais là, je fais 63, je suis là, c'est 63 coupé. Donc, tu as connu ce que j'ai déjà. Pour la consommation, donc le constructeur a 5,2, donc bien Traq ou bien Medina. Mais d'abord, on a 8,9. Donc, avec je dis, je suis là, à la consommation. Notre voiture d'essai n'est pas stock, c'est une boîte additionnelle. Race Ship au Talal 319 et le couple 760. Donc après la rendez ouvert des accélérations, je trouve Inch'Allah. C'est une boîte 7 vitesses, mais apparemment je suis à ce prix là.